bien que tu ne peux pas la garder, n'est-ce pas? Il faut que tu l'enlèves. S'il te plaît, ce n'est pas de la plaisanterie. Ça, c'est la troisième fois. Rendez ça, c'est ma troisième grossesse pendant ces 5 années. On dirait que ma vie ne compte même pas. Rendez, tu me donnes l'impression que ma vie ne compte pas pour toi. Écoute-moi. Voyons, bébé. Tu es toujours belle comme avant. Mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore prêt. Lorsque je le serai, tu le sauras. C'est quoi ce dont tu as besoin pour être prêt, Randy? Tu as un job. Tu as une maison. Tu es positionné. Tu as une vie sociale assez stable. Qu'est-ce qui te fait attendre? Ah, bébé. Ce que je suis en train de faire n'est pas vraiment un bon travail. Je sais ce que je dis. Et je te demande juste une chose. Sois patiente. Et quand on sera prêt, on aura des enfants. J'ai été patiente avec toi pendant 5 bonnes années. Je suis déjà passée jusqu'ici par 2 avortements. Tu veux que celui-ci soit le 3e? Chérie, je ne suis pas contre du fait que tu aies fait tout ce qui est dans ton pouvoir pour garder cette relation. Je sais. Très bien. Non, je ne pense pas être prête à avorter cette fois-ci. Non. Non. Non, non, Randy, non. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Non. Je n'avorterai pas ce bébé. Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Randy? Bébé, écoute-moi. Juste calme-toi. Calme-toi, d'accord? Je te donnerai l'argent demain pour que tu ailles avorter. Je sais que ça ne te rend pas heureuse, mais tu dois le faire. Lâche-moi. Non, non, je ne dois pas continuer de tuer les enfants innocents. Non, non, je n'en peux plus. Bébé, arrête de dramatiser les choses. On ne peut pas amener un enfant sans pourtant être prêt. Viens ici. Non, non, Seigneur, non. Calme-toi. Oh mon Dieu, non. Lève-toi. Ce n'est pas possible. Lève-toi, ça va aller. Bébé. Ta nourriture est dans la salle à manger. Tu refuses mes mêmes bisous? Je vais au boulot.
Arrête ça, s'il te plaît. C'est seulement de cette façon que tu seras. Regarde. Je suis désolé. Ok? Je m'excuse de t'avoir obligé de faire l'avortement. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas heureux d'avoir des enfants. Je ne suis pas heureux du tout. Mais je suis au bout du souffle. Donne-moi juste du temps. Lorsque le temps viendra, on va les faire comme tu veux. S'il te plaît. Randy, tu sais, j'en ai marre, sincèrement. C'est ce qu'on a eu l'habitude de faire depuis toutes ces années. Randy, tu ne m'as même pas encore fiancée. Bébé, il y aura un temps pour ça. D'accord? À ce stade, laisse que tes actions parlent. Tu peux ne fût-ce qu'aller voir mes parents pour le fiançailles. Mon amour, je les veux, ok? Je veux juste que tu sois patiente pour qu'on ne puisse pas faire des erreurs. Je le veux. Je veux juste que tu sois patiente pour qu'on ne puisse pas faire des erreurs. Une erreur? Après 5 années, Randy. Mon amour, erreur pas dans ce sens. Je veux juste qu'on soit sûr d'être prêt d'avoir d'enfants. On doit se préparer à ça. Ok, je t'aime. Bien sûr que je ne peux pas supporter que tu aies un autre homme. Tu es tout pour moi. Tout ce que je te demande, c'est juste d'être patiente. C'est tout ce que je demande. Je t'en supplie. I'm swimming in love, I'm deeply in love, you've shown me love. Hey, regarde-toi, c'est bel et bien toi, on se réannonce. Oui. Madame, mes respects. Quelle surprise! Oui. Je ne m'attendais pas à te voir. Tourne un peu. Tu as une très bonne mine. Oh Seigneur! Ah, vraiment. Je suis vraiment heureuse. Ah, comme je suis ravie de te voir. Tu n'as pas idée. J'espère que ce n'est pas pour rentrer bientôt. C'est ce que tu veux. J'espère alors, que tu vas rester avec moi là pendant longtemps. Mais je te l'ai dit. Oh, je suis Dieu, encore là je avec ne toi. Serai plus seule. Mais tu sais ce que tu dois faire. Je suis là avec toi. Allez, on y va à la maison. J'espère que tu as beaucoup à me raconter. Oh. Je dois être à la page de toutes tes nouvelles. Oh, oui. Oh, je n'en reviens pas. Je ne crois pas à mes yeux. Oh, mon Dieu. Ogi. Elle est où? Omoina? Ok. Je n'ai pas dit ok. Ok. Monsieur. Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Hein, mais tu attends quoi pour venir? Je ne savais pas que vous m'aviez appelé. J'ai dit ok, je tu dis pas. Ok. Je vais demander de la sauce, je vais m'emmener de l'eau. Vous c'est quoi ça? Vous me connaissez, oh. Il suffit juste que vous m'appeliez et je vais entendre. Bonsoir. L'enregistrement, c'est comment? Patron, le nombre de boissons que ces filles ont pris. Oh, mais qui a parlé de la boisson, sérieux? Oui, elles ont dit que le patron viendrait payer. Je vérifie, messieurs. C'est combien? Patron, elles sont tellement bio. 12 000 lira. Sérieusement, voyez-moi ce montant et elle en est fière. Sérieux, cette petite somme-là, 20 000. 20 000 seulement et voilà que tu en perds complètement la tête comme ça. Donc tout le monde peut venir ici prendre de la boisson et vous êtes là bien sûr pour leur donner gratuitement. Je vais couper cet argent de ton salaire. Dieu merci, on n'est pas encore à la fin du mois. Non, c'est moi le prêtre.
regarde-moi comme ça. Et je ne te demande pas d'aller dire à cette fille-là qui est un petit peu folle, là, qu'on appelle donatrice. Où est-elle? Monsieur? Allez, viens vite, dépêche-toi. Olga, vous m'avez appelé. C'est pour faire l'addition que vous avez envoyé me chercher. Qui a servi ces gens-là? Olga, c'est moi qui avais servi. Oh, et bien sûr, tu veux que mon business puisse échouer, n'est-ce pas? Olga, ce n'est pas de ma faute. C'est que j'ai constaté qu'à chaque fois que ce monsieur vient, vous lui serrez la main. C'est là que j'ai compris qu'il est votre ami. Parce que ce sont mes amis, c'est pourquoi tu fais cela. Bon, dis-moi maintenant, qui va payer cette boisson-là? Tu leur donnes à boire gratuitement. Tu vois ton nom là. Tu vois, je vais te changer. Je vais t'insulter, tu vas pas comprendre. Olga, mais c'est votre ami, non? Votre ami, comme il a pris l'habitude de venir ici, nous nous sommes familiarisés. On t'a dit que c'est sa petite amie? C'est vraiment ce qu'on t'a dit? Celle-là n'est rien du tout? Prochainement, ose le faire et tu vas voir ce qui va t'arriver. Je suis désolée. Ce roi Salomon-là, ce roi des filles. Ok, pas de problème. Heureusement que ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ce ne sont que des gens que je connais, sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait là. Ah. Ma chérie, tu es bien prête? Ça va? Oh, bébé? Oh, assez! Je suis enfin heureuse d'être ici. Je t'ai dit, je vis de toutes les couleurs. Ah, Miranda, je t'ai dit. Faut vraiment stopper, c'est trop cher. Regarde-moi maintenant. Regarde comment je suis. J'espère avoir une voiture. Sinon, je serais revenue avec beaucoup de produits. Je t'ai dit vrai. Ah, si ces articles sont moins chers de l'autre côté, et alors pourquoi ici c'est très cher? Ben, ça doit sûrement être à cause du transport. Exact. Parce que tu sais qu'ils doivent récupérer leur capital après avoir investi. Juliette, tu sais quoi? Quoi? Je peux miser mon argent dans ce business. Ta motivation d'être ici, c'est la nourriture. Oh, ma chère, tu me blâmes? C'est pas de ma faute. Oh oui, comment va mon futur beau-frère? Ah, en fait, il va très bien. D'ailleurs, j'ai pensé à aller le voir demain. Voudras-tu venir avec moi? Oh, oui! Je suis tellement impatiente de voir l'homme qui tient le cœur de ma chérie. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé aller étudier très loin de la maison. Excuse-moi. Excuse-moi. Ok, laisse-moi partir finir ce que je faisais là-bas. D'accord. Oh. Juliette. Es-tu sérieux à propos de ça? Bien sûr que je le suis. Es-tu sûr? Très sérieux, oncle. C'est juste une question de temps. Vraiment, une question de temps. Je vais me marier. Premièrement, je dois démolir la maison de mes parents et je veux et construire un truc au cas où qui peut être aménagé. Après ça, c'est le mariage. Je suggère, pourquoi pas te marier d'abord avant de t'occuper de la parcelle. Ne vous en faites pas, l'argent c'est pas un problème. Ah, mon fils, je peux maintenant bien voir là où tu vas. Moi, ton père, te souhaite le meilleur. Je serai vraiment fier de toi pour ce genre de projet. Merci. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur. Je crois que je vais mobiliser quelques garçons pour commencer la démolition. Très oui, bien, c'est très ça. Bien. Oui, très bien. C'est ça. Ok, en clair. Merci beaucoup. Laisse-moi réfléchir à ça. Ok, vous avez besoin c'est bien. De quelque chose. C'est bon, c'est bon. À propos du transfert. Jusque-là, je n'ai encore rien reçu du tout. Oui, Def. Définitivement, j'avais envoyé de l'argent hier. Ezioko, comme je vous avais dit que je vous ferai un transfert. Au revoir, oncle. Merci beaucoup, mon fils. Que Dieu te merci bénisse. Beaucoup. Pars bien.
Violette, tu as pris toute l'éternité. Désolée, ma chérie. Je viens juste de finir. Oh, ma chérie. Tu as pris beaucoup de temps. Le temps que tu as pris et la manière dont tu es habillée, quelqu'un croirait que c'est ton petit ami qu'on va voir. Madame, sois calme. Une femme peut rencontrer un homme n'importe où, n'importe quand. Oh. Oui, voilà pourquoi je me fais toujours coquette. Tu sais, je suis préoccupée du temps que tu as passé à l'université pour apprendre. On croirait que tu es en quête d'un job pour planifier ton avenir, mais te voilà en train de t'écrémer pour gagner un homme. Excuse-moi, là tu as vraiment tort. Ça, c'est juste le futur. La façon dont tu t'habilles, c'est la façon dont tu te vends. Oui, je ne veux pas qu'un idiot puisse me stopper. Hein. C'est bien comme toi, ça. Tu ne me fais pas trop parler. On y va. Oh mon Dieu. Qui est là? Oh! Coucou! Oh là là! Waouh! Bébé, très ravie de te voir. Je vais très bien. Je n'étais pas au courant que tu viendrais. Désolée, chérie. C'est ce jeune dame qui m'a fait traîner le pas. Oh, c'est vrai ça? Enfin. Chérie, Juliette, mon amie d'enfance, ma sœur. Oh, génial! Juliette, wow. Tu devrais te mettre une famille. Je suis contente de te voir. Je t'en prie. Tu es la bienvenue. Merci. Ok, d'accord. Tu as une belle place. Maison. Oh, merci, merci. Comment était ton voyage? Oui, ça va. Tu m'as beaucoup manqué, chérie. Tout va bien. Qu'est-ce que tu as mangé? Quelque chose à croquer, à boire, je ne sais pas. Tu n'as qu'à voir par toi-même. Va vérifier. Bien sûr que oui. D'accord. Bébé, j'arrive. Je te donne quoi à boire? C'est bon. Merci. Bien. Waouh. J'aime ce que je vois. Merci. Je t'en prie. Allez, Juliette. Tu es vraiment chanceuse. Ces mecs-là, il est canon. Comment tu l'as eu? Waouh! C'est comme tu as vu. Je n'ai rien à dire, c'est Dieu. Dieu, c'est vrai? Tu dois bien prendre soin de lui et le conserver avant que ces petites filles-là puissent le séduire et te la ravir. Hein? Ça n'aura pas lieu. Je ne le laisserai pas faire. Celle qui osera le faire, elle mourra. Si oui? Ma copine, tu ne peux pas gâcher ta vie à cause d'un homme. Non, il y a plusieurs hommes en vie. Oh, que j'y pense! Ton homme est vraiment riche et beau. Pourquoi jusque-là, il ne t'a pas encore proposé? Ma chère, s'il te plaît, viens pas. Je veux vraiment te dire quelque chose. Qui se passe-t-il? Juliette est en train de voyager, toi de même. On dirait que vous avez planifié de me laisser toute seule ici. Non, mon amour, ne dis pas ça. Tu sais combien de fois tu vas me manquer. Cette fois-ci, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je veux que tu restes là. Lorsque je reviendrai, et tu vas voyager. Non, je ne peux pas faire ça. C'est son père qui l'a appelé. Il a besoin aussi de rester avec sa famille un peu, tu vois. Ce n'est pas juste. Pas du tout. Mais je reviendrai dans peu de jours, ok? Avant que je ne le sache, tu vas prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas traîner. Ça sera après les projets que je rentre. Sincèrement, ce n'est pas cool. Ok. Ça va aller, c'est pour quelques temps. Souris, bébé, souris. Voilà, souris, bébé. Allez, prenons une carte.
tchèque. C'est bon, je peux faire monter la caisse. Oh, alors, je suis impatiente. Merci. Merci d'être venue. Ah, ah. Désolée, madame. Moi, maintenant, je suis passée par la poche. Allez, bye. Au revoir. Tu me manques déjà. Viens me faire une ouais. Bye-bye. Allez, prends bien soin de toi. Bye. Voilà, c'est un endroit parfait où j'aime me loger. Oh, arrête ça, oh, arrête. Le patron est sûrement déjà réveillé. Tu n'as rien de bon que tu fais dans cette parcelle. Non, c'est toujours comme ça. Quand tu me vois en train de manger, tu viens là pour commencer à dire des choses sur les gens. Moi, je te connais déjà. Yeah. Entre toi et moi, c'est qui fait le commérage? Mika, écoute, n'as-tu pas remarqué comment Oga a changé complètement? Je ne sais rien. Voilà ta vie, tu ne fais que du commérage. Tout le temps tu veux parler de la vie des gens, pas avec moi. Tu ne m'auras pas dans tes histoires. N'es-tu pas un être humain? Toi avec ta tête là, hein? C'est sûr qu'on utilise ton intelligence pour des rituels d'argent. C'est très évident. Écoute, ne viens pas m'embrouiller avec tes histoires là. Quand tu me vois en train de manger, je te connais déjà bien. Ne viens pas. Mais... ce que tu as dit là est peut-être vrai, hein? Je n'aime pas trop qu'elle soit avec notre patron. Elle ressemble même à une sorcière. Ah! Écoute ce que tu racontes. Pourquoi tu veux dire qu'il est cupide? Ah! Est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Tu es une sorcière? Si c'est ça que tu appelles cupide, pourquoi tu ne le suis pas? Toi aussi, depuis un moment, je te suspecte. Toi, avec non, ta tête, de dire ça. Moi, sûrement, je te connais déjà. Je te connais. Rituels. Arrête de m'embrouiller avec tout ce que tu c'est dis. C'est très là. Sûr. Je te connais déjà. Tu penses que je te connais pas? Allez, va voir. Mais c'est pas comme ça. Je vais le prendre. Allez, donne-moi. Idiot ce que tu es. Arrête de faire ça. Ramène-moi ça. Au lieu d'aller faire ton travail, tu viens là pour m'embrouiller. Et finalement, voilà ce que tu m'as fait. Bon, ok. Prends ce que tu as pris. Moi, je vais manger ce qui reste là. Voilà même ce qu'elle m'a fait. Et tout ça à cause d'un fata ordinaire. Voilà ce qu'elle m'a fait. Tiens. C'est très parfait, très bien, c'était bien, tu es très bonne. C'est plus très que bien. Ta femme. Elle n'est pas ma femme. Elle est juste une constance. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était bien. Mon chéri, j'ai posé une question. Encore une fois, bébé. N'est-ce pas? Yeah. Tiens. Ah, mec. C'est comment, non? Mon cher. Dis-moi, mon gars. Mon ça cher. Fait vraiment longtemps, hein? Ça fait vraiment longtemps. Sérieusement. Regarde comment tu es frère. Tu es en pleine forme, mec. Qu'est-ce que tu es devenu depuis? Oui, mon frère. On est là. C'est juste l'argent. Tu sens l'argent plein nez, mec. Vas-y, dis-moi. Je suis un boss, mon cher. Lincoln. Je sais que tu as un paquet, mec. Je sens. Voyons, un paquet. Arrête de dire ça, mec. Cache le morceau. Vas-y. Allez, dis-moi, quoi de neuf? J'étais en déplacement, je suis revenu hier. Tu es là depuis quand? Non, juste deux jours, rien de plus. J'étais à Abuja pour une réunion d'affaires et rien de plus, juste deux jours. Des oui, jours? Bien sûr que oui. Sans pourtant m'appeler. C'est ce pourquoi je suis ici, non?
Mon cher, la vie est dure. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Tu sais très bien que tu es mon gars, non? Voyons, si je suis ici, c'est parce que je veux que tu participes. Exactement. Voilà. Mais sinon, parle-moi un peu de toi. Comment ça se passe? La vie est seulement comme ça. Le business, ça va? Oui, les affaires par-ci, par-là, sans repos. Ah, je peux bien voir que tout va très bien alors. Je ne sais pas trop. Je glorifie juste Dieu. Gloire à Dieu. Content. Ok, laisse-moi appeler un peu mon bébé et puis on va parler, ok? Attends, quoi? Ta petite amie, tu en as une maintenant? Ça, c'est intéressant. Ah, mon cher, bien sûr que j'en ai. Tu m'avais dit que tu ne voulais plus être en couple. Oh, pitié. Non, mais, pour toi. Mais c'est bien sûr toi qui mais me l'avais dit. N'hésite pas à me marier. Est-ce qu'elle est bonne d'abord? Hein? Bien sûr, on s'était rencontrés il y a très longtemps. Tu sais très bien que j'aime les bonnes choses. Donc, es-tu sérieux? Pas à t'en faire. Genre, c'est du sérieux entre vous? En tout cas, c'est vraiment du sérieux. Un patron avec son ami. Je vais bien, et vous-même, patron? Je vois que ça va, je vois que vous allez bien, je ne veux pas vous importuner. Vous êtes venu avec l'argent et pas avec les femmes aujourd'hui? Pas grave. Bon, les filles avec lesquelles vous étiez venues ici l'autre fois, celles qui sont belles là, elles étaient revenues boire ici et avaient dit que vous alliez payer. J'avais donc laissé tomber vu que vous êtes mon client régulier et que c'est je quoi, vous fais confiance à... Mais qu'est-ce que j'ai fait mon encore cher, mon gars, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, ok? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Est-ce que... Ça allez, voyons, toi, je sais très bien que tu aimes faire la fête, tu changeras jamais où. Ah ok, je crois que c'est toi qui as changé, parce que ça fait bien longtemps que je vis tes statuts sur WhatsApp. Avant j'avais toujours beaucoup de cheveux, mais j'ai décidé de tout raser parce que je voulais changer quelque chose, tu vois. Je l'ai fait de moi-même. Sérieux, je ne veux pas de femme autour de moi. Vrai, il faut vraiment que tu te maries. J'ai peur des femmes de l'autre. Tu es vraiment sûr qu'il ne te faut pas être femme, parce que... Alors, c'est pas parce que toi tu es en couple que tu vas me dire tout ça. Allez, arrête ça. Tu n'es qu'une poule, rien. Ah, Ada, bravo! Tu bouges tellement bien! Tu sais danser comme ça? Tu le caches sous ces grands habits que tu mets? Désolée, madame. Bienvenue. J'ai essayé de... Désolée, madame. Oh, madame, je suis désolée, sois pas vexée. Oh. Allez, écoute, ne te stresse pas. Hein? Il n'est pas question de jeter, je voulais, je serrais, j'essayais. D'ailleurs, j'ai aimé ce que tu viens de faire. Tu sais quoi? J'ai un coach de danse qui me fait des tutoriels sur YouTube. Je peux te mettre en contact avec lui, comme ça il va t'aider à améliorer ta façon de danser. Et tu ne trouves pas? Wow, tu danses tellement bien. J'ai aimé ce que j'ai vu. Tu vas te bénir. Mon patron va te marier. Tu n'es pas comme l'autre fille qui vient ici souvent. Je ne l'aime même pas. De quelle fille parles-tu? Non, oh madame. J'ai parlé de ces filles qui étaient ici il y a longtemps. Très, très, très longtemps. Et qui sont déjà parties. Oui, ne suis pas en train de me cacher quelque chose. Madame. As-tu quelque chose à me dire? Non, oui, non. Ok. C'est bon. Tu peux aller finir d'arranger la cuisine. Dès que c'est fait, tu me dis. Je vais faire le dîner moi-même. Va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose me dérange. Je me sens dérangée. Je ne sais pas. Quelque chose comme quoi?
C'est ça même. Ce qui est vrai, je n'ai pas encore cerné le vrai problème, mais il y a quelque chose qui cloche. Mon instinct ne me trompe jamais. Je ne sais pas. Je me sens tellement dérangée. Tu dois déterminer la cause du problème. Ça peut être un problème familial ou encore les affaires, mais il faut que tu détermines la source du problème. Mais pourquoi tu me regardes de cette façon? S'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi me concentrer à mon film et que je regarde. Des difficultés ou... Mais si tu as des problèmes, ouvre-toi et on en parle. Tu es en colère sans pourtant connaître les problèmes. Je ne suis pas en colère. C'est juste que je suis dérangée par... À propos de quoi? C'est de ça qu'il faut expliquer ce qui ne va pas. Merci pour ton indifférence. Tu seras avec ma sœur, Randy. Ma sœur à moi. Écoute. Je comprends ce que tu ressens. Ce que tu as dit ces derniers temps, mes actions, je ne saurais même pas l'expliquer. Je ne peux pas me mentir moi-même. Il y a un bout de temps que je me demande que je dois me dire la vérité. Tu es une très bonne femme. Et par-dessus tout, tu es gentille. Et poli. Je vais juste dire, le mariage, c'est une union qui demande plus d'attention, la prudence et être sûr. C'est pourquoi tu veux te lancer. Maintenant, j'ai essayé de réfléchir au-dedans de moi. Écoute, je crois que tout homme a besoin d'avoir quelqu'un comme toi. Je crois que la bonne personne à qui je pensais, qui m'a poussé à venir vers toi, selon moi, je n'ai pas pensé faire la vie avec toi. Es-tu malade? Et tous ces temps qu'on a passé ensemble, toutes ces bonnes 5 années, perdues, je risquais de perdre ma vie à maintes reprises, 3 fois dans l'avortement. Toi qui étais un homme de paix, de parole, ces temps gâchés, Randy, où tu m'as fait traîner par terre. C'était pour me dire que je ne suis pas la femme qui te convient.
tu finis par me trahir en sortant avec ma sœur. C'est moi qui l'ai amenée dans cette maison. Je t'ai dit qu'elle était ma sœur. Dieu te punira, Andy. Le sang de ses enfants innocents te déchargera. Tu as joué de moi, Randy. Randy, t'as un surnom. Tu en paieras les pots cassés. Dieu te punira, toi. Et Juliette, Dieu vous tuera. Même pas aujourd'hui, même plus tard. Tu paieras ce que tu m'as fait. Je t'ai blessé. Mais s'il te plaît, trouve de la place dans ton cœur pour me pardonner. Parle-moi, s'il te plaît. Je peux entrer? Je suis désolée, mais je dois partir maintenant. Tu as raison, mon fils. Il va vraiment falloir changer beaucoup de choses ici. C'est par là que... Oh, par ici? Commencer à travailler. Ok. Et après... Vous devrez enlever toutes ces histoires-là. Le fleur et tout ce qui va avec. Je crois vraiment que tu as raison. Du côté du balcon, là-bas. Hey. Ça, c'est magnifique. Une fois finir, après ça, je me marie. Sinon, tu vas te marier avec qui, au juste? Évidemment. Les choses doivent... Tu devrais me la présenter, hein? Tu ne trouves pas que je devrais la connaître, hein? C'est une façon pour toi de te protéger. C'est ça, une bénédiction venant de moi. Tu ne trouves pas? Évidemment. Hein? N'est-ce pas une bonne idée? Réfléchissez. C'est le meilleur plan. Oh oh. Regarde. Hein? Prends cette somme d'argent. Après, je veux envoyer. Hein? Tout ça pour moi? Quelque chose pour que ça suffise. Hein? Je te bénis, c'est ça, mon ouais. cher fils. Merci beaucoup. I'm not doing just
Oh Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus, je chasse, je condamne, j'anéantis, je casse tout esprit démoniaque. Onyeka, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? Qu'est-ce que tu fous là? Tu crois que tu vas me prendre dans tes jeux? Ta patronne ne t'a pas dit de ne pas choquer un homme de Dieu? Hmm? Toi, homme de Dieu. Ah, écoute ce qu'elle dit. Je suis un fier homme de Dieu. Hmm. Assieds-toi, demoiselle. Toi? Un homme de Dieu. Je suis évidente que ton français peut ressusciter le mort. Oui, je t'ai déjà dit. Oui, assieds-toi là. Assieds-toi. D'abord, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Regardez celui qui essaie d'ouvrir sa bouche pour me parler. Onyeka, n'as-tu pas entendu que Oga est allé proposer cette fille-là hier? Cette maison-là pour la fête? Oui, non. Elle a même dit oui. Arrête de faire semblant. Si on t'avait proposé, est-ce que toi là tu pouvais dire non? Non, moi ne me vois pas comme ça. Si le patron me proposait, moi je peux même dire non. Non, il ne faut pas me regarder comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Je sais déjà à quoi tu penses. Ne me regarde pas comme ça. Moi, hein? Je sais déjà où sont tes pensées en ce moment. Oublie cette affaire là. Onyeka, n'as-tu pas remarqué que la première madame devient folle? Ta! Voilà, tu veux commencer le commérage. C'est à moi que tu veux raconter de telles histoires sur notre patron. C'est ce que j'ai entendu. Oh. J'ai entendu qu'elle est devenue folle. Ok, bien. Oui, tu peux t'en aller. Tu ne fais que du commérage. Je t'accorde un peu de temps pour discuter. Tu veux me prendre pour... Je ne sais qui. Oui, ma fille, que Dieu soit avec toi. Tout ce que tu peux chercher auprès de Dieu, même dans tes grands combats, Dieu sera toujours là, ma fille. Ce que moi je te demande en ce moment, c'est qu'il faut que tu pardonnes et que tu oublies tout ce que on t'a toujours fait subir. Dieu combattra pour toi. Je peux comprendre ce que tu ressens, je le comprends bien. Mais il faut que tu laisses Dieu combattre pour toi. Il le fera. Père, vous n'allez pas comprendre c'est par quoi je passe. Vous ne savez pas ce que je ressens. Père, on a vécu pendant 5 années. 3 avortements. Il vient me larguer juste comme ça. Non, Père, ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Ils mourront. Ils doivent périr par le feu. Non, ils ma fille. Ils doivent passer non, de l'autre côté. Non, ma fille, non, ne pleure pas comme ça. Ne pleure pas comme ça. Dieu combattra pour toi. Et moi, ton père, je serai toujours là pour toi. Non, ma fille, je t'assure que Dieu est déjà au contrôle de cette situation. Ils ne méritent pas vivre. Ils doivent mourir. Non, il doit Dieu périr. Est déjà au contrôle de tout. Calme-toi, Dieu fera les choses en son temps et au moment voulu par lui-même. Il va agir pour toi. Agenouille-toi, je prierai pour toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père notre Dieu, voici ton enfant qui est venu devant toi. Écoute toutes ses prières. Réponds à ses prières et essuie toutes ses larmes. Je suis en train de prier qu'elle voie ta main dans tout ce qu'elle fait dans sa vie. Seigneur, appelle-la à des très grandes choses. Je prie que tu lui accordes la faveur et non la défaveur. Que Dieu t'accorde des très grandes choses dans la vie et dans tout ce que tu feras. Qu'il te donne des grandes connexions qui vont t'amener dans une très grande percée. Et même dans ton mariage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hé,
Hey, allez, mon gars, comment tu vas? Tout va bien, en tout cas, tout va bien. Je vais très bien maintenant. Je vais bien, oh. Je me bats, comme toujours, mon ami. Sinon, depuis hier, je n'arrêtais pas de penser à toi. Vraiment, félicitations. Je te vois maintenant comme dans un niveau élevé. Hein, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas exactement le pourquoi je me marie. Ah oui, c'est ça aussi, en fait. Donc, tout le monde ici te connaît, en tout cas. Je me suis vu avec une fille, celle... Comment elle s'appelle déjà, celle qui est grande de taille et qui vit chez toi. Ah ah, les gens les font qui parlent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que elle et moi, nous sommes juste amis. Je n'ai vraiment pas envie de parler de ça. Tu es sûr à propos de ça? Parce que j'aurais bien aimé l'entendre de toi. Je peux t'aider, tu sais, je suis vraiment prêt à contribuer pour ton mariage. T'acheter une veste ainsi que la mienne, au même moment. Bien sûr. Mais je voulais te demander, c'est ton mariage ou mon mariage? Non mais regardez-moi ce mec. Tu veux être le maître de cérémonie ainsi que le mari en même temps le jour de ton mariage? Voyons. Je sais, j'étais en train juste de t'embrouiller. Ah, c'est pas normal, beaucoup, toi, c'est pas merci. Normal. Allez, viens, oui, on va aller faire ensemble, chose. T'inquiète. Mon gars, écoute-moi. Moi, je pense qu'il ne fallait pas. Hein? Il ne fallait pas parler comme ça, ou même dire de choses comme ça. Mon cher ami, tu sais très bien comment je deviens devant des situations pareilles. Parce que la façon dont elle avait agi ne m'avait pas plu, alors je devais réagir. Ah, je te dis mon gars. Waouh, hein, comme je disais, ce n'était pas bien. Mon gars, je te dis, j'étais pas bien. Mal. C'est sûr qu'elle doit être blessée. Oui, elle est vraiment blessée. Les problèmes, c'était qu'elle avait mal fait. Elle aurait pas dû. Oui, hein. Ah, ah. Sérieusement, je ne m'attendais vraiment pas à ça venant d'elle. Voilà que cela a fait qu'on en arrive là aujourd'hui. Chai. Nawao. Ah, tu as vraiment raison. Sérieusement, c'est vraiment difficile. Aïe. Aïe. Vraiment. Tu vois bien que j'avais raison dans ce que j'ai vu dire. Voilà. Tu vois ça. Je sais très bien que tu es toujours là pour moi, frère. T'en fais pas. Tu me comprends. Je sais. Qui est là? Ouvrez ce portail. Juliette, où es-tu? Madame. Je suis venue recadrer cette bâtarde. Juliette, comment oserais-tu? J'ai cru que tu étais une amie pour moi, Juliette. Tu as bien les kilos de rester ici en train de prendre un verre pendant que ma vie est en ruine à cause de toi. N'as-tu pas honte? Oh, arrête! Comment ça! Comment oses-tu? Épargne-moi de tout ça. J'en ai assez, ma chère. Je ne peux pas continuer à te supporter. Allez, Onyeka, amène-moi cette fille hors de ma parcelle. Qui t'autorise de venir dans ma parcelle et puis m'injurer? Es-tu folle? Oh, mon Dieu. Madame. Ça devient maintenant ta parcelle, ah, ben oui, Juliette. Ah, mais oui, c'est ma parcelle. Laisse-moi te rappeler, Juliette. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai amené ici. Là, c'est du passé. Et maintenant, c'est ma parcelle. Alors, sors. Tu le fais à une amie. Oh, on peut faire ça à son amie, Juliette. Je te demande de sortir de ma parcelle. Madame, tu comprends s'il tu ne comprends pas? J'ai pas besoin de tes embrouilles. Tu penses que tu trouveras la paix ici? Juliette, je te jure que je te demande de le faire misérable. Sortir de ma parcelle. Es-tu fou? Non, c'est pas mes. Je t'ai dit de sortir de ma parcelle. Tu ne vivras pas la Vas-y, paix. Vas-y, sors. Tu ne vivras J'ai pas la envie joie, d'écouter. Juliette. Sors d'ici. Oh, s'il te plaît, ma soeur, ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît. Écoute-moi, je sais que tu vas t'en passer de tout ça, hein? Essuie tes larmes. J'ai perdu les 5 ans de ma vie. Juste comme ça. 5 bonnes années. Perdu. Oh Seigneur, par où dois-je commencer? Randy m'a fini. Leur mariage est dans 3 jours. C'est dans 3 jours. Je ne saurais rester dans le même environnement que... Je ne saurais faire face à cette peine et humiliation.
Je ne saurais les vivre. Non, je ils sont en passé. Oublie-le. Et je ne veux pas t'entendre dire des choses pareilles. Écoute-moi, tu es ici avec moi. Tu vas rester ici avec moi jusqu'à ce que tu vas te relever. Tu vas rester ici avec moi, ok? Sèche tes larmes. Essuie-moi ces larmes. C'est ce que tu dis. C'est bon, tu vas rester ici avec moi. C'est pénible. C'est fini, ma belle. C'est fini. Je t'en supplie. Arrête de pleurer, ma chérie. Je vais commencer. S'il te plaît. Arrêtez de me déranger avec des messages insensés. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Je voulais dire, ça fait 3 ans maintenant et tu n'as toujours pas de petite amie. Et tu rejettes tout homme célibataire qui t'approche. Ma sœur, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Veux-tu rester célibataire toute la vie? Tu as dit que je ne recule pas en âge. N'est-ce pas que c'est évident? Non, pas ça. Je crois que tu surmonteras tout ça. Que voulez-vous? J'apprécie votre attitude. Vous en avez en parlé certainement à mon absence. Écoutez, ce n'est pas aussi facile comme vous le pensez. Je te comprends mieux, mais fais un effort. Avec tout ce que j'ai expérimenté pendant ces 5 années, ce garçon est parti avec tous mes sentiments. Je ne me sens pas prête à tisser une quelconque relation amoureuse. Copine, nous comprenons ta douleur. Et on le comprend parfaitement bien. Les hommes sont tellement audacieux. Comment il a pu oser la personne que tu as nourrie? Ce que je n'arrive pas à comprendre que d'autres personnes méritent d'être celles, juste celles. Ils ne méritent pas l'aide des autres. Ne te tourmente pas trop, hein? Oublie ça. Ce n'est pas aussi facile comme tu le dis. Ce n'est pas avec un bâton magique qu'on peut le faire. On ne sort pas de la rue et puis, du coup, on trouve un homme. Ça prend sérieusement du temps. Vous savez, il est vrai que c'est dur. Mais je vais essayer. Ok, c'est bon. Je vais te poser une question, ma sœur. Ok. Si tu devais rencontrer Grandi aujourd'hui, le laisserait-il te voir dans cette condition? Vraiment? Ton avenir est entre tes mains. Essaye de passer à autre chose, grande sœur. J'espère que s'il te voyait comme ça, il comprendrait que dans ta vie, tu n'étais rien sans lui. Grande sœur, s'il te plaît. Avec quelle expérience que tu me parles, toi? On te parle, non, non, tu veux te parler. C'est juste que tu oublies ça et puis avancer dans ta vie. Quoi? C'est juste pour être propre. Écoute. Mm-hmm. Oh, à quoi tu penses? Quelle amie? Non. Écoutez. Tu es resté cette mère. Salut, demoiselle. Comment vas-tu? Bon après-midi. Bon après-midi. Alors, comment vas-tu? Ça va. Oui, bien sûr. Et aussi, tu as l'air mignonne. Ok, moi, je m'appelle Chunle Onlaboke. Je suis un influenceur sur les réseaux sociaux. Et toutes mes activités sont basées aux États-Unis. Eh oh, est-ce que tu m'entends? Puis-je savoir comment tu t'appelles? Je m'appelle Rachel. Oh, que je vois, c'est un beau prénom. Bien, je suis récemment retourné au pays et je veux juste faire connaissance. Je veux Rose. Te connaître. Je veux te connaître. Et Rose! Savoir qui tu es. Rose! Occupe-toi de ton client. Ok. Désolé pour ça, monsieur. Désolé pour ça. Est-elle ton amie? Elle est ma grande sœur. Oh, waouh, ta grande sœur. Oui. Ah, mais c'est à cause de quoi elle peut être contrariée comme ça?
Quelqu'un l'a blessé. Et s'il te plaît, toi au moins tu peux m'aider, s'il te plaît. Aide-moi au moins à avoir ce numéro. Je veux vraiment lui parler. Ok. Oui, écoute-moi. Ok, une minute. Oui, merci. Ok, 00. Ok, 00. 39. 39. 50. 50. Un autre 50. Encore 50. Et 45. 45. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur, je dois maintenant partir. Et comment tu t'appelles? Rose. Princesse! Ah, dites tout ce que vous voulez. Ça m'est égal. Avec toute honnêteté, grande sœur, je ne peux même pas croire que tu as rejeté vraiment cet homme. Sérieusement, tu aurais dû voir comment il m'est regardé. Non, ce n'est pas possible. Mais non, franchement, on dirait qu'il voulait me dévorer. Je ne pouvais que les quitter. Tu ne peux pas condamner tous les hommes. Je ne le blâme pas. Il est juste amoureux de toi. Qu'est-ce que tu as dit? Il est amoureux de toi. Tu n'importe quoi. C'est comme ça qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un. C'est comme ça que vous, les enfants d'aujourd'hui, vous tombez amoureux, hein? Juste à la première rencontre de 0 à 100%. Ok, oh. Grande sœur, tu nous as promis de donner encore une chance à l'amour. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Je comprends maintenant d'où ceci vient. Vous, des petites diablesses avec vos plombs machiavéliques, des rancardes. Vous ne mourrez de pas. De serre diabolique. C'est ce que vous êtes, des rancardes. On veut le meilleur pour toi et tu nous appelles de fêtardes. Ah! Hey! Vous êtes terrible, franchement. Grande sœur, s'il te plaît. Assez. 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 Fermons cette parenthèse. Merci. Que de troubles. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive au juste? D'abord, c'était un problème au niveau de la cour. Maintenant, avec le business, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'arrive pas à expliquer ce qui m'est arrivé. C'est une sorte de problème spirituel. Je ne comprends pas là. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ok, c'est bon, calme-toi, vas-y doucement. Qu'est-ce que tu as dit qu'ils t'ont dit déjà? Ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ils ne veulent pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Raison pour laquelle je suis venu que tu m'aides. Aide-moi, s'il te plaît. Je veux vraiment que tu m'aides. Hein? Non, t'en fais pas. Je suis là, je vais t'aider. Mais à une seule condition. Mon frère, tout ce que tu veux que je fasse pour toi, dis-moi, je vais le faire. C'est tu n'as bon, qu'à me dire que je vais le faire. Je vais t'aider, comme je te l'ai dit, t'en fais pas. Ah, on merci est pas beaucoup, rien, mon frère. Merci. Mais à merci, une seule merci. Condition, mec. Je ne fais jamais rien pour rien. Je suis un businessman. Bien sûr. D'accord. Je sais, toi et moi, nous sommes des hommes d'affaires. Allez, viens plus près. Hein? Ça a toujours été ainsi. Busy et cool. Salut. Getchi, c'est moi encore. Comment vas-tu? Allez, hier ta soeur m'a dit que tu allais être là aujourd'hui. Rose! Oh, désolé, je pense que j'ai des choses à faire. Allez, il ne faut pas la blâmer, hein? Écoute-moi. S'il te plaît, écoute. Rose, écoute-moi, franchement, okay? Je n'apprécie pas la manière avec laquelle tu procèdes. Je n'apprécie pas du tout. Non, je ne te file pas. Ziwa. C'est le destin. Allez. Tu ne peux pas t'asseoir un moment et te demander quelle est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés. Je n'imagine pas tout ce qui n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que tu penses. Ça dépend de comment tu le vois. Tu vois, j'aimerais ne pas te déranger avec beaucoup d'histoires, ok? Bien, d'accord. Je veux juste aller tout droit au but. Je veux que tu sois ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Mon Dieu, ça c'est la plaisanterie du siècle. Parfois... Pas de rancard. Des choses étranges arrivent.
ni de petite amie. Okay. Tu veux que je sois ton amie. Du coup, okay. Tu veux que je t'épouse. Hein? Tu tombes amoureux de moi, du coup, de 0 à 100%. Écoute-moi bien. Nous pouvons avoir des rendez-vous autant que nous voudrons après notre mariage. Il y aura toujours le temps pour ça. Mais je suis venu ici pour avoir une femme. Je veux retourner aux États-Unis avec toi comme ma femme. Je suis très sérieux. Et je veux vraiment que tu considères cela. Laisse-moi en finir en vivant, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Je te promets d'être vraiment un bon homme pour toi, ok? Je veux que tu considères attentivement ce que je viens de dire. Tu es un aventurier. Rose, quand tu auras fini de divertir tes clients, tu me trouveras à la maison. Pense-y, s'il te plaît. D'accord? Je suis sérieux. Rosie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ta sœur avait l'air un peu difficile. Qu'est-ce que tu l'as dit? Oui, je devais quand même aller droit au but. Droit au but? Droit au but. Que je veux qu'elle soit ma femme. Comme ça seulement? Oui, juste comme ça. Le miracle arrive juste comme ça. Écoute-moi un peu, je suis sérieux. Tu veux que tu prennes ceci comme un petit devoir. Tu travailles ici et tu gardes un œil sur elle. Et tu essaies de la convaincre. C'est un homme sérieux qui te parle là. C'est ma grande sœur, rappelle-toi. Bien sûr, je le sais. Comment est-ce que je vais la convaincre de t'épouser? Tu devrais. Tu as ce qu'il faut. Ok, promets-le-moi. Non, je te promets pas, oh. Mais okay, je ferai de mon mieux. Ok, je veux que tu le fasses. Fais-le pour moi. Je ferai de mon mieux. Très bien. Merci beaucoup. Ok. Ok, bonne soirée. À plus alors. Ok. Laisse-moi partir avant là. Ok. Oh oui. Il y a mes amis qui doivent arriver. Alors c'est eux que j'attends ici. Ok, oui. On se verra alors. Très bien. Merci beaucoup. Ok. Bye. Non mon mari, ça c'est de la folie. Qui t'a permis? Es-tu devenu fou? Oh oui, tu es devenu fou. Non mon amour, s'il te plaît. Non. Ne m'appelle pas ton amour. S'il te plaît, fais ça pour nous. Ça va résoudre tous nos problèmes. Mes crédits sont au bout et la banque ne veut pas m'aider. S'il te plaît, tu es mon seul espoir, mon amour. Ton seul espoir, tu dis? Quel genre d'ami voudrait-il partager ta femme avec lui juste parce qu'il veut t'aider? C'est de la folie. Tu vivras avec pendant toute ta vie? Je sais que j'ai mal fait, mais ce n'est vraiment pas le moment pour parler de ça. J'ai juste besoin de l'argent maintenant. S'il te plaît. Écoute, c'est tout ce que je veux. Et après ça, et tu oublies tout. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas normal. C'est pas juste. Non, non. Je veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux vraiment que je te supplie à ce point juste pour de l'argent? Hein? Non, ça je n'oserais pas, chérie. Non, je peux pas. Je peux même pas m'imaginer, chérie. S'il te plaît, j'étais assez stipulé comme ça. Est-ce que tu peux trouver une solution, s'il te plaît? Ça fait très mal. Tu penses vraiment que je suis heureux? Je ne suis pas heureux. Non, chérie, je sais. C'est pourquoi tu m'as épousé. Je peux pas. Ok, tout va bien. Tout va bien se passer. Je ne suis pas non plus heureux de te le dire. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Viens entre, bébé. Je peux sentir que tu n'es pas si confortable à l'hôtel, n'est-ce pas? Allez, voyons, détends-toi. Tu veux que je t'aide? Allez, je t'en prie, détends-toi, s'il te plaît. Sens-toi à l'aise, ok? Comment vas-tu? Allô, parle-moi. Je peux voir que tu as l'air encore plus fraîche, si belle. Tu dois savoir que c'est un très bon choix de m'avoir, moi. Allez, viens. J'essaie de converser, mais tu ne veux malheureusement pas. Allez, viens. As-tu honte de moi? Allez, viens.
Allez, bébé. Allez, viens. Tu es magnifique qu'avant. Quel est ton secret? Fais-moi un joli sourire, s'il te plaît. Voyons. Voyons. J'ai encore plus à offrir. Encore plus que ce que je lui ai déjà donné. Juste pour toi, mon amour. Juste pour te rendre heureuse. Ferme ta bouche. Oups. Tu es content de ce que tu es en train de faire. Je suis désolé. Excuse-moi. Oh, tu es si fraîche. Allez, bébé. Allez. Je ne vais pas te mordre, moi. Viens là, bébé. Je crois qu'on va prendre vraiment un très long moment. Allez, viens là. Allez, mon gars, ça va aller. Je suis un businessman. Je ne peux pas donner de l'argent pour rien. Ok, calme-toi. Tu es un homme, d'accord? Avec ma femme, c'est vraiment la seule chose qu'on te demande. Allons, mec. Tu n'as rien de plus à m'offrir. Tu es chômeur en ce moment. C'est le moins que tu pouvais m'offrir. Alors accepte le tel que c'est. Théo. Est-ce le marché ou pas? Allez, oublie ça. Donne-moi juste ton numéro de compte. Allez, donne-le-moi. Vas-y. Pense à propos de ce que je vais faire maintenant. Donne-moi ton numéro de compte. 001. 1052. Laisse-moi faire le petit déjeuner. Et je crois que tu dois avoir faim. Je n'ai pas faim. Je vais directement au bureau. Madame, Oga s'est préparé. Oh. Et sa nourriture, good. Tu peux t'en réjouir. Ok, bien. Va dans la cuisine, prends la nourriture, tu dois avoir faim. Oui, Oga. Oui, je suis en route. Bébé, comment vas-tu? Comment était ta journée? Écoute, j'en ai assez de cette attitude. Tu ne peux pas arrêter ça maintenant. Tu es libre. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Mais pars. Si tu veux partir, tu pars. Et est-ce que je suis le seul homme avec qui tu as couché? Tu l'as fait à maintes reprises et tu te comportes comme ça. C'est quoi ça? Honnêtement, je n'apprécie pas ce genre de comportement. Je plaisante, n'est-ce pas? Est-ce que je plaisante?
Oudje. Bienvenue. Merci beaucoup, mon cher oncle. Quand tu m'as appelé pour parler de ton problème, j'étais dérangé mentalement. Quel est donc ce problème au juste? La nouvelle est que... Je voulais juste t'informer que... J'ai pris une autre femme. Hein? Oui. Que s'est-il passé? Non, vous savez déjà ce qui s'était passé. Vas-y, dis-moi, fais-moi savoir. Tu t'es marié quelques années de cela. Pourquoi ne pas aller chercher Dieu? Et d'ailleurs, elle ne t'a toujours pas donné d'enfant jusque-là. Oui, c'est ça la raison qui m'a poussé à faire un autre choix de prendre une autre femme. Hein? Je ne peux pas épouser une femme avec qui on a passé 5 années sans enfant. Et je ne suis vraiment pas sûr qu'elle puisse avoir d'enfant. Je sais ce que je dis. Deuxièmement, ce n'est vraiment pas une bonne femme. Ah, mais pourtant je la vois comme une bonne femme. Hein? Et c'est ça, vous n'êtes pas au courant. C'est moi qui subisse toutes ces atrocités avec tous ces déplacements, tantôt ici, tantôt là-bas. Elle n'est pas non, 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 non. Non, non, non. Non. Attendez le temps de Dieu. Elle doit te donner un enfant pour moi. Hein? S'il vous plaît, je dois partir. J'ai des choses à faire. Et je reviendrai ici après. Non, mais hey! Cette bonne fille-là que je Mais attends, non, viens ici, viens vite. Pourquoi tu veux faire ah ça? Ah non, attends, laisse-moi. Tu ne sais pas d'où je viens. Mais ce que je t'ai dit, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Non, ce n'est pas une blague. Si le patron voit que j'étais allé arranger la maison pour son mariage avec la patronne. Mon frère, tu as vu, oh. Je veux quand celle-là est entrée avec ses bagages dans cette chambre. J'ai pitié de cette femme. Qu'est-ce qui va se passer quand elle entrera dans cette chambre? C'est rien. Et puis, est-ce que tu te rappelles de l'autre madame qui est venue se battre ici? Cette femme-là, j'ai appris qu'elle a trouvé un autre homme qui va même l'épouser. Kai, c'est très mauvais. Tu vois, moi, tel que je suis là, pour rien au monde, j'arriverai au point d'aller sortir avec un homme d'autrui. Peu importe le problème. Jamais. Toi qui connais tous les hommes qui sont des partis partout dans cet état. Arrête avec des bêtises là. Tu ne peux pas me mentir. Tu n'as pas su comment te dire la vérité. Regarde. Mais brûlé pour quel but? Sale, laisse-moi là-bas, laisse-moi. Regarde comment tu es habillé. Tu ne fais que dire des mensonges, toi là. Tu ne sais même pas repasser tes habits. Tu te prends pour qui? Attends là-bas, attends. Elle vient encore me mentir. Tout le temps en train de parler, en marchant comme ça. Regarde. Regarde là, toujours en train de parler et des mensonges. Va-t'en là-bas, menteuse. Mon meilleur client, mon patron, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup vous voir ici en tout cas. Je vais bien. Je voulais juste vous remercier parce que vous prenez très bien soin de moi en tout cas. Donc c'est comme ça. Je prends très bien soin de la maison avec l'argent que vous payez. Non mais ces trucs, mais qui l'a laissé ici? Allez, toi là, viens ici. Combien de fois vais-je te dire que quand tu sers à boire aux clients, rassure-toi d'emmener les tire-bouchons avec toi parce que si ça se perd, je vais couper ça dans ton salaire et tu ne vas pas aimer ça. Désolé, Olga. Quand tu ouvres la bouteille et que tu sers, va avec le tire-bouchon. Désolé. Toujours là à parler avec les clients. Tu veux vraiment tous les chasser ici? Pitié, oh. Sentez-vous à l'aise, hein? Je voulais juste vous saluer, moi. Prenez bien soin de vous. Ne vous en faites pas, je ne fais que faire une petite inspection. Ok, donc, t'en fais pas. Qui est là? L'ami de Olga est très doux. tu dors. Aga? Laisse-moi tranquille. Aga,
Viens avec moi, on va aller se reposer. Hein? Oh. Aga. Laisse-moi dormir ici. Aga, tu veux rester dormir ici? Réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Aga, lève-toi. Aga, laisse-moi profiter de t'apporter de l'aide. Réveille-toi. Je vais aller t'accompagner jusque chez toi à la maison. Tu veux déjà à la maison? Cet endroit n'est pas sécurisant pour toi. Oh. Tu as oublié. Tu es dans un bar. Aga, allons-nous-en. Pourquoi tu fais ça? Aga, tu oublies que tu ne sauras te reposer comme il faut ici. Hein? Lève-toi, lève-toi d'abord. On va chercher les clés après. Lève-toi, je vais t'accompagner. Lève-toi, lève-toi. Ya. Aga, regarde-moi d'abord aux yeux. Regarde-moi. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit. Avance. Aga, ne tombe pas. Laisse-moi, je vais marcher. Que je te laisse. Hey, oh, maman. Eh non. Aga. Te voilà. Aga, tu as envoyé me chercher, non? Quand tu es arrivé ici, que tu avais dit que tu voulais travailler pour moi, je t'avais demandé de me dire ce que signifiait ce Eno. Qu'est-ce que tu m'avais dit déjà? Ah, Aga, ça c'est petit, non? Écoute, mon nom veut tout simplement dire Don. Ton nom veut dire Don. Je t'ai employé ici pour que tu travailles pour moi. Mais pas prendre ton corps pour aller avec comme ça et les donner à n'importe qui. Hum? Hein, j'espère que je ne t'ai pas employé ici pour prendre ton putain de corps et le donner à des clients. Si tu veux faire des dons, tu ne crois pas que tu devrais d'abord attendre? Au moins, tu aurais pu commencer par le patron avant d'aller chez les clients. Cet homme qui était venu ici, c'est toi sa garde du corps, n'est-ce pas? Non, gars. Tellement que tu l'ornes toujours. Tu aimes bien l'ornier. D'ailleurs, je crois que tu devrais t'acheter des glaces. Tu vas les porter comme ça, tu vas bien l'ornier. Et non, donatrice pour toujours. La fille qui donne toujours. Aga, ce n'est pas comme ça. Aga, vous n'allez pas me comprendre. Ce monsieur a commencé à prendre de l'alcool dès qu'il était venu. Je voulais juste l'aider en l'amenant jusque dans sa voiture parce qu'il dormait sur le canapé du terrasse. Et bien sûr, vous êtes allé le faire vite dans la voiture. Tellement Aga, ça n'a pas d'endroit précis pour Aga, le faire. Aga, moi je ne comprends rien de tout ce que vous dites. Écoute, à partir de demain, tu vas commencer dans la toilette là-bas. Tu ne seras plus au bar ici, tu ne vas plus recevoir les clients au bar. Tu iras dans ces toilettes là-bas. Même celui qui est sur les toilettes là, je les suspecte aussi. Mais bon, à partir de demain, tu retournes là-bas. Hein? Tu vois tes yeux que tu aimes faire comme Jezabelle là. Tu vas t'occuper du bar demain. Elle s'occupera de la salle de bain. Aga, moi je ne veux pas faire ça. Aga, c'est fini. Je ne veux plus transporter les gens. J'ai dit que tu vas commencer à laver les toilettes. Au moins là-bas, tu n'auras rien à personne. Allez, va-t'en tout de suite ici. Aga. Ah, je me suis toujours demandé, cette fille, quand elle vient ici, elle n'est jamais concentrée par son travail. Je comprends maintenant qu'elle donne son corps à tout le monde qui vient ici. Bien, je ne suis pas surpris. C'est la seule chose que tu connais faire. S'asseoir, croiser les jambes et de ne rien faire. Bien, je suis au bout de tout ça. Je suis assez d'attitude silencieuse, de comportements silencieux. Et sur ce point, j'ai décidé que je suis une autre femme. Qu'est-ce que tu attends?
Je suis la seule qui est hors de la chambre pour que nous ayons vraiment un espace. Quitte-la. Non, 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 non. Tu ne me parles pas de cette manière dans ma maison. Tu es censé me respecter, n'est-ce pas? Bien, comme je le disais récemment, j'ai eu une nouvelle femme. Une femme qui me rendra un homme complet. Une femme qui peut me donner ce qu'une femme stérile m'a pas donné. Qui t'a permis? Vas-y, tape-moi, vas-y, tape-moi. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tape-moi. Fais ce qu'un homme peut faire. Vas-y, frappe-moi. Vas-y, réagis comme un vrai homme. Tu n'es pas l'un d'eux. Oui. Et maintenant, tu t'étais? C'est celui qui se calme maintenant? Tu ne comprends pas ce qui se passe ici, c'est ça? Va te trouver une autre femme, vas-y. N'importe quoi, c'est moi. Vas-y, réagis comme un vrai homme, vas-y. Amène alors une autre femme ici, n'importe quoi. Tu sais, je n'ai pas le temps pour ces histoires. N'aie jamais dans ta misérable vie faire ça encore. Je suis parti. Tu n'es qu'un lâche, tu ne peux rien me faire. Tu es en train de réagir comme si tu étais un vrai homme. Je me suis laissé faire à cause de cet idiot. Amène cette femme. Je suis ici, j'ai tout abandonné à cause de cet idiot. N'importe quoi. Alors, tu ne peux pas saluer ton mari maintenant? As-tu perdu tes manières? Bonjour. À haute voix. Bonjour! Très bien, c'est suffisant. Je mérite juste que tu saches que je pars ramener une autre femme. Bien, ça fait assez longtemps, mais je finalement... C'est une question de temps. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu arranges bien ma chambre. D'accord? La chambre est très sale. Ok. Ada? Oui, Oga, je suis là. Je ne veux plus te voir arranger ma chambre. Ok, ta madame sera une nettoyeuse aujourd'hui. Hé, Oga, ne me renvoyez pas haut. Ne me verrez pas, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Je n'ai pas dit que je vais te virer. J'ai juste dit que ta madame sera la nettoyeuse aujourd'hui. Hey, merci, Oga. Merci. S'il te plaît, quitte de là. Merci. Je vais parler autre chose. Alors. Tu sais, c'est le moment pour moi d'être tout près de ma future femme. J'ai quand tu devines déjà ce qui va se passer. Hey, au revoir. Ah, merci pour la nourriture. Mais depuis tout ce temps, c'est maintenant que tu me l'amènes. Moi, j'ai faim depuis longtemps, c'est maintenant que tu amènes la nourriture. Moi, je t'ai appelé, depuis longtemps, tu viens maintenant. Hein, tu as voulu me tuer de faim ou quoi? Hein, c'est pas bien. Hein? Écoute-moi. Tu sais, cette femme-là, elle est vraiment méchante. Je ne veux pas que le patron l'épouse. Que le patron n'essaye pas. Que le patron n'ose même pas l'épouser. Écoute, le patron ne doit pas. Il ne doit même pas oser. Ah, tu sais, hein? Ce qui m'a choqué fort. Ma respiration était arrivée ici. Oh, hey! J'ai failli rendre l'esprit. J'ai cru qu'il allait me mettre à la porte. S'il m'avait mis à la porte, ce serait fini pour moi. Hey! Jésus, tu vois, hein, tous ces jours-ci, moi et madame, nous étions en chaleur. Ah, c'était dur pour nous. Ah, moi, Yoko, nous ne sommes plus en paix dans cette maison. Écoute, la fois dernière, quand je voulais aider madame, dans son travail, il a crié. Oh! Je me suis transportée moi-même au coin du mur. J'ai disparu. Je ne sais même pas pour qui il se prend, enfin, cette femme-là. Hein? Je ne sais pas pour qui il se prend. Moi, je pense qu'il n'ira même pas loin. Moi, je veux que notre patronne originale revienne ici avec nous, tu vois. Oh, tous les jours, j'imagine le joueur sera parti d'ici. Toujours là, elle va partir d'ici. J'imagine la honte qu'elle aura. Tu as vu ce qu'ils ont fait là? Cette femme-là, elle finira pas par partir d'ici.
Écoute, j'en suis sûr. Tu ne me brosses même pas les dents, toi. Hein. Toi, tu veux me faire du commérage. Écoute, tu sais, ces derniers temps, madame doit beaucoup prier. Oh. Pourquoi Olga accepte manger, son pardon quand il va lui demander? Ces derniers temps, ils sont comme chat et souris. Ils gardent chacun sa banque. S'il te plaît. Si seulement on nous attrape ici en train de faire du commérage, on aura des problèmes et je vais oublier mon travail. Allez, va-t'en, qu'est-ce que tu fais de bon comme travail dans cette partie? S'il te plaît. Tu ne sais même pas bien balayer. Pareil, c'est une fête manger. Onika. Monsieur. Ada. Oui, Oga. Comme vous êtes en train de le constater, à moins que vous soyez aveugle, cette jolie femme que vous voyez se maintenant votre nouvelle patronne. Ce que je veux dire est que vous devez vous rassurer qu'elle va bien. Ce que je veux dire est que vous devez obéir à ses ordres. Être sûr qu'elle va bien. Vous devrez premièrement s'occuper de votre madame. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, monsieur. Ok. Ok, j'allais juste dire que tu es la bienvenue. Donne-les juste un peu de temps. Très bien. Tout va bien? Tu es sûr que tu n'as pas besoin de quelque chose? Très bien. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi juste. D'accord, monsieur. Dieu va te punir. Il va vous punir, vous deux. Je vais vous voir régner dans cette maison. Ah, vous n'avez encore rien vu. Mon amour. Ne t'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas. Mon amour, j'essaie. Je vais aller voir mon oncle pour lui parler des lances comme toi. J'attendrai seulement ce bon moment. Mon amour, je pensais déjà qu'on allait parler à propos de tout ça. T'as besoin de quoi? Oui, je ne laisserai jamais passer tout ça. Oui, très bien. Je le ferai quand je reviendrai. Merci, mon amour. C'est ce que m'attendais. Merci. Merci. T'inquiète pas pour ça. Ok. Moi aussi. Allô, comment tu vas? Ah, je fais un petit tour là. Ok, pas de problème, je suis là. Ok. Ok. Parfait. Bébé. Ok, je dois te laisser. À plus. Bébé, j'ai préparé quelque chose pour toi. Mon bébé. Bébé, c'est ce que j'aime aussi. Voilà pourquoi. Prends cette nourriture, mon mari. Merci beaucoup. Tu es si beau. Ah non, non. Ne t'occupe pas de ça, bébé. Tout sera à toi, bébé. Ok, bébé. Juste prends bien soin de toi, ok? Tu es sûr? Je suis sûr que je te verrai bientôt. Oui, je sais que j'aime ça, mais... Et actuellement, j'ai une réunion très importante. Mais je... Oh! Joy! Attends, attends, attends. Oh, bébé, je t'ai fait, bébé. Je dois dire à ma propre femme de marcher. Oh. Je crois qu'il serait mieux que tu prennes le transport public. Et je pensais que... Alors, je vais te donner... Non, non, bébé. S'il te plaît, laisse-la partir. Dis-la d'aller utiliser, je sais pas, un transport pour aller. Sinon, elle restera ici pour prier pour que je n'aille pas un bébé. S'il te plaît, bébé, laisse-la partir. S'il te plaît. Calme-toi. Ah, oh, mon amour. Je non, ne pensais non, pas non. qu'elle oh, pouvait plaît, faire amour, hein? tout pareil. Je vais J'allais... l'oublier, t'inquiète pas. Je vais l'oublier. Hey! Qu'est-ce que tu penses que tu fais là? Qui t'a donné cette permission d'utiliser ma cuisine? Comment tu t'es retrouvé dans ma cuisine? Comment? Oh,
très bon salaire me provoque dans ma propre maison. Tu es folle? Tu parles de ta cuisine? Qu'est-ce que toi tu as contribué pour qu'on puisse construire cette maison pour que tu aies l'audace de parler de ta cuisine? Tu t'adresses à moi? Es-tu malade? Ah, sale pite! Tu es allé trop loin. Allez, oh, 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 idiote, chérie, folle. Oh, oh, chérie, tu es la folie. Chérie, oh, quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Monsieur, tu es avec quoi? Elle m'a frappé. Tu ne vois pas? Elle m'a frappé. Elle est venue juste me provoquer. Monsieur, mais pourquoi monsieur, tu as fait un truc pareil? Elle m'a frappé. Tu es vraiment méchante. Oh, oh, je l'ai juste dit de quitter dans ma cuisine. Elle m'a frappé. Monsieur, monsieur. Ça va aller. Oh, oh, monsieur, ça va aller. Bébé, s'il te plaît, chasse-la, chasse-la. Je comprends, ce sont de bêtises. Hey, madame, 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 s'il vous plaît, oh. Madame, ne partez pas, oh. Madame, vous savez que moi, je vous apprécie beaucoup. Restez à la maison, oh, s'il vous plaît. Madame, ne partez pas, oh, pardon. Ne m'interdis pas, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Madame, je suis fatiguée d'être humiliée durant toute ma vie. Laisse-moi juste partir. Je te laisse cette maison. Même pas. Hey, madame. Hey. Vous allez où comme ça, madame? Mais madame, vous allez où comme ça, hein? Regarde, toi, ne me cherche pas de bras. Ouvre-moi cette porte. Ouvre-moi ça. Ouvre-moi cette grille, je vais sortir. Si tu me touches, je te tue. Madame. Madame. Oh. Madame. Madame. Oh. Oh, bébé. Bienvenue, bébé. Comment était ta journée? Oh. Laisse-moi enlever tes chaussures. Ne t'inquiète pas pour ça. Bébé, je dois faire ça parce que je t'aime. Ada. Arrange-toi, ne t'inquiète pas. Ok, j'en ai fini. Aga. Je veux quelque chose à manger. Et après, tu appelles ta madame et dois me dire quelque chose. Aga, madame est partie. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire par madame est partie? Regarde, va m'appeler ta madame là, qu'elle me donne quelque chose. Et tu me parles de madame est partie. Est-ce que tu comprends? Aga, quand vous êtes partie au travail, madame a pris ses habits et toutes ses histoires, a mis dans la valise et elle est partie. Je l'ai suppliée de ne pas partir. Elle n'a pas voulu m'écouter, elle est partie. Elle m'a donné cette lettre pour vous. Bébé, tout va bien? Tu vas bien? Elle vient de quitter la maison. Tu es dans cet état à cause d'elle, cette sorcière? Où est-elle? Ce n'est pas à moi de poser cette question. Où est-elle? N'essaye pas oser m'écrire dessus. Ne pense pas qu'en faisant cette erreur en croyant que je suis une bonne personne. Non, je ne le suis pas, s'il te plaît. Bébé, as-tu pris l'argent du travail? Oui, je l'ai pris. J'ai pris 500 millions de naira pour arranger mes ongles, faire mes achats et autres, vu que tu t'occupes plus des 100 maintenant. Voilà. Je n'ai pas compris ce que tu as dit.
C'est cet argent-là que tu as pris dans mes affaires. Es-tu sûre de quelque chose? Comment je ne peux plus utiliser l'argent de mon mari? Attends, tu as pris 500 000 naira pour arranger quoi? Tu as pris 500 000 pour faire quoi? C'est à toi que je parle. Tu as pris 500 000 pour faire les ongles. Par quel moyen? Est-ce que c'est pour de vrai? Ou bien tu es en train de blaguer? Dans les villes seulement, tu as pris l'argent. Non, surtout pas. Tu sais que j'aime pas ces noms-là. Tu n'avais pas compris ce que je t'avais dit? Donc je ne suis pas permis à utiliser l'argent de mon mari? C'est ça ce que tu essaies de me dire? S'il te plaît, n'ose plus dire ça. Écarte cette femme de nous. Je peux faire n'importe quoi avec cet argent-là. Alors dis-moi, pour qui tu travailles? Mais comment? Comment? Tout ce qui est à toi est à moi aussi. Donc, tout ce qui t'appartient m'appartient aussi. Alors s'il te plaît, ne dis plus jamais ça. Je peux utiliser ton argent quand je veux. S'il te plaît. Suis-je en train de rêver? Mais tu cherchais quoi dans mon poste de travail là-bas? Tu cherchais quoi là-bas? Toi, tu es là pour me chercher des problèmes. Mmh. Tu fais des problèmes pour moi, toi. Il faut arrêter avec ça. Ne me cherche pas des problèmes. Arrête. Ferme ça. Ferme cette sale bouche. Calme-toi. Écoute. Il y a le feu dans cette maison. Madame a pris les salaires de Orga. Une grande somme. Il y a le feu sur la montagne. Hein? Ah. Baisse ta voix. Tu n'entends pas comment moi je parle lentement. Baisse ta voix. Que madame ne t'écoute pas. Oh. Écoute, que cette femme-là ne vienne pas me tenter. Hein. Ce travail, je l'ai commencé. Elle n'était même pas encore là. Qu'elle ne me tente pas. Écoute ce qu'il raconte, toi vraiment. Enfant bâtard. Ferme-la. Tu n'as qu'à garder tout ce que tu entends dans ta poche. Orga refuse d'être tournée en bourrique par madame. Mm-hmm. Madame est devenue très vigilante. Elle ne veut plus laisser quoi que ce soit. Quand elle ose m'a parlé, piam. Orga est devenue très nerveux. D'ailleurs, moi j'ai lavé mes mains, je ne veux plus en parler. Je vais fermer ma bouche. Écoute, cela ne nous concerne pas. Ça ne me concerne pas. Comme j'ai bien dit, que cette femme ne me provoque pas. Qu'elle n'ose même pas me provoquer. Écoute. Je m'en vais. Je retourne dans mon lieu de travail. Je m'en vais. Elle ferait mieux de ne pas idiot. Me provoquer. Écoute, va-t'en. Vas-y. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé. Cette femme-là n'a pas. Elle n'a même pas me provoquer. Sinon, hein, cette femme-là, la femme sorcière-là, elle ne doit pas me provoquer. Comment elle s'appelle? Madame Lizard. Qu'elle n'ose pas. J'ai déjà parlé. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Vas-y. Sors de ma maison. Vas-y. Ne plie jamais ici. Non, madame. Plie jamais. Madame. Si c'est moi, tu essaies de madame. Revenir. Je vais te tuer, madame. Je te promets. Je vais te tuer. Dégage d'ici. Dégage d'ici. Regarde là, je ne veux plus la voir ici. Juste faire des commérages dans ma maison. Je ne veux plus vous voir. Sinon, je vais la tuer. Je vais la tuer ici dans ma maison. Sors de ma maison. Je ne veux pas que les gens viennent ici me dire que je suis une mauvaise personne. Parce que c'est ça que je vais te faire. Madame, pardon. Vas-y. Pardon. Pardon. Toi aussi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais bien prévenu. Tu vois, c'est à cause de commérages que tu fais tout le temps. C'est à cause de ça. Je t'avais déjà parlé de tout ça. Mais qu'est-ce que tu as fait encore, toi? Tu vois maintenant ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je ferai? Hein? Qu'est-ce que moi je peux faire en ce moment? Dis-moi un peu, s'il te plaît. Je n'ai rien fait, oh. Je n'ai rien fait de mal, oh. Elle est venue, je l'ai tout directement. Elle est entrée dans ma chambre. Elle a commencé à me compliquer la vie. Elle a commencé à me dire des choses. Et puis du coup, elle me dit maintenant, de sortir de la maison. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne vais pas sortir. Je vais attendre au gars. Mais qu'est-ce que tu as fait enfin? Hein? Qu'est-ce que je peux vraiment faire? Je ne sais même pas quoi faire. Viens, quittons d'abord ici. Il faut que nous partions. C'est comme ça que tu es. Au lieu de me défendre, viens là, j'ai entendu tout ça. C'est à cause de toi que nous partons comme ça. Viens. Nous sommes renvoyés à cause de toi. Tout ça, c'est à cause de toi. Ada? Ada? Mais où sont les autres? Je les ai virés. Quoi? J'ai l'air d'une personne qui blague. Oh, tu me fais trop de la peine. S'il te plaît, demain on ira acheter de nouveaux habillements pour toi. Je crois que tu plaisantes. Je sais que tu plaisantes.
Dis-lui de m'apporter quelque chose à manger parce que j'ai très faim. S'il te plaît, il n'y a pas de la nourriture pour toi. Tu peux toutefois aller et trouver quelque chose à manger et puis venir cuisiner. C'est simple. Je ne peux rien faire pour toi. Je suis fatiguée de préparer pour toi. S'il te plaît. As-tu perdu la tête? Es-tu folle? Qui t'a dit de virer ma bonne? Excuse-moi, s'il te plaît. Apparemment, tu n'as rien de bon à me dire. S'il te plaît, laisse-moi aller me reposer. Es-tu folle? C'est cette façon que tu me parles? Je veux juste danser. M'appeler, ok? C'est déjà fini! Oui, je sais que ça a pris beaucoup de temps, mais je n'allais pas te laisser partir. S'il te plaît. Tu m'as envoyé plusieurs messages et emails pour dire la même chose. Est-ce que tu as changé quelque chose? Non! Vis ta vie! Laisse-moi tranquille! Ah! I'm swimming in love. I'm deeply in love. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui était arrivé ici. Ce n'était pas vraiment de ma volonté. Je veux juste dire que je suis désolé. C'est comme mon mari l'a dit. Nous sommes désolés. Voilà pourquoi on vous a fait retourner au travail. Tantine, on vous a augmenté les salaires. Merci, monsieur. Merci, madame. Je vous en prie. Merci, Seigneur. Je veux vous dire merci, maman. Merci, madame. Merci, madame. Je me suis rassuré que tout aille bien. Oh. Merci beaucoup. Merci, madame. Très bien, très bien. Vous pouvez partir. Merci. Because of you, I can do anything for now. Mes chers enfants, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Et je crois que c'est un sujet de joie.
C'est exactement ce que Dieu veut, que le mariage soit comme ça. Les gens doivent se pardonner, vraiment, la réconciliation. Et c'est ça, la beauté du mariage. Et dans ce cas, j'aimerais aussi vous conseiller de toujours rester unis comme ça, parce que le combat n'est pas encore terminé. Je ne comprends pas, mon père. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un peu confus, père. C'est juste que nous nous retrouvons dans une situation de rétribution divine. Quelqu'un est venu crier à Dieu pour que Dieu agisse. Et c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons maintenant là. Alors il est nécessaire de chercher la personne et demander pardon. Et si la personne vous pardonne, donc c'est la situation va directement... les choses vont directement changer pour le mieux. Alors, il faut vraiment chercher cette personne. C'est vraiment important. Faites un effort de trouver la personne. Faites-le. Allô? Oui, Rose. Comment vas-tu? Dis-moi, est-ce que tu as eu les nouvelles de ta sœur Recha? Aussi, comment va toute la famille? J'espère qu'ils vont bien. Oh! Ils sont au pays? Oh, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ils sont revenus au pays. Très bien. Oui, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Par la grâce de Dieu, je passerai à la famille. Oui, très bien. Que Dieu te bénisse. Passe mes salutations à toute la famille. Dis-leur bonjour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'était un plaisir. À bientôt. Père, est-ce qu'on peut entendre la bonne nouvelle? Oui, oui, nous avons fait un effort de retrouver la sœur. Et nous avons quand même une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est qu'ils sont déjà ici au pays. Wow. Oui, ils vont rester ici pour 2 semaines. Vraiment? Oui, c'est vraiment une opportunité pour nous. Dieu est grand. Oh mon Dieu! Waouh! Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui. Je vous enverrai leur adresse du domicile et comme ça, vous irez les voir. Très bien, j'allais même te demander. Merci. Nous sommes beaucoup. Vraiment. Oui, je vous envoie l'adresse. Que le Dieu Tout-Puissant garde votre départ. Et que ce voyage soit le commencement de votre vie conjugale miraculeuse. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui. Merci, Père. Merci. Oui. Regardez. Regarde. Qu'est-ce que tu veux? Chérie, pourquoi tu me fais ça? Je suis les chéries. Mais c'est assez beaucoup, non? Tu? Ah, patron, sois calme, non? Ah, ah. Voilà, là tu me dis de me calmer, vraiment. Je te hier. Arrête. C'était vraiment comme toi, ça. Toi, c'est toujours comme ça. Et désolé, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Des contractions. Ah! Oh, désolé, c'est quoi ça, désolé. Mon amour? Quoi? Comme si j'ai mal. Ok, doucement. Ah!
Bébé, doucement, doucement, doucement. Allons doucement, doucement. Ada! Ada! Oga! Ada! Oga! Hein? Madame! Ouvrez la porte! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Contact! Ah, je sais pas! Si vous êtes comme une voiture! Non, mon piquet!